Cactus 1549, piste 04, décollage autorisé. Sully. Sully. Sully, on est trop bas. Sully. 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 Sully, t'es où là? Personne ne nous a prévenus. Personne ne nous a dit « Vous allez perdre vos deux réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation. » On a subi une perte de deux réacteurs à 2800 pieds et un amérissage immédiat avec 155 âmes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un problème de ce genre. Notre enquête doit déterminer comment un avion s'est retrouvé dans l'Hudson. Sur l'Hudson. Ce n'est pas un crash, mais un amérissage forcé. Les simulations indiquent que vous pouviez retourner à l'aéroport. Pas possible. J'ai bien senti qu'il me lâchait. Je prends les commandes. Vous avez les commandes. J'ai fait tout ce que je pouvais, tu sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu les as tous sauvés. Beaucoup disent que vous êtes un héros. J'ai pas l'impression d'être un héros. Mais d'accord, ça fait déjà assez de bruit comme ça dans la presse. Je suis dépassé par toute cette attention. Le moteur gauche était toujours opérationnel. Et si j'ai vraiment fait une erreur, si j'ai mis en danger la vie de tous ces gens. J'ai un A320 qui plonge dans le fleuve. T'as fait ton maximum. T'en as fait plus qu'assez. À quand remonte votre dernier verre, commandant? Y a-t-il des tensions à la maison? C'est le commandant qui vous parle. Préparez-vous à l'impact. Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Crispez-vous sur le siège avant! Il y avait 155 personnes dans cet avion. Et tu en faisais partie. Plus de 40 ans de vol. Et au final, on me jugera sur ces 208 secondes. Je veux un comptage passager et équipage. Est-ce qu'il reste quelqu'un?